Et oula, bah super, c'est l'épisode, ça commence bien, et bien c'est l'épisode de tous les amis, c'est Paradoxe sur Surprenant, le nouvel épisode de Dramature sur Pokémon version violet, au lieu plusieurs dans le DLC 2, le Disney Indigo. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, on perd tout de suite pas plus de temps, on va tout de suite aller vers, alors que j'ai un truc sur une lettre, super, ça commence bien, j'espère en tout cas que vous allez bien, on va tout de suite aller vers la destination de notre enfin vers notre objectif tout simplement. On avait vraiment été doucement dans le premier épisode. Bien qu'on avait découvert surtout la zone, mais il y avait été aussi assez calmement le temps de découvrir la zone, tout ça. Donc bon, on va accélérer un petit peu, les amis. Il est temps. Je vous rappelle qu'on devait aller voir comment ça s'appelle. Comment s'appeler Taro. Voilà, on doit suivre notre premier cours de l'Institut Myrti, globalement. Globalement. Donc c'est ce qu'on va faire. Putain, on obtient tellement de balles. Vous voyez pas les balles le problème c'est que si je fais ça. C'est ça, ça va foutre le bazar. Ouais, tant pis. Tant pis, vous verrez pas qu'on obtient comme budget. Parce que je pense. Je peux pas modifier totalement mon overlay comme je veux. Quoique en vrai je pourrais. Ouais mais c'est pas. Je vois t'es pas grand chose. Ah non c'est une pierre selfie qu'elle a derrière. Non c'est pas un... c'est un club de golf mais pas du tout. Moi tu vas me saouler toi. Tu vas me saouler. Voilà. Bon. Guerriland. Je sais pas s'il y avait des pré-évolutions ou quoi que ce soit, on va vite faire regarder. Guéri. Comment il s'appelle? Non. Ok, hop, on va vite aller soigner du coup. On va soigner nos Pokémon. Pam 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 pam. Parfait. Et on va retrouver et on va participer au cours. Para. As-tu trouvé où nous étions sans problème? Oui. Tant mieux. Allez là tout le monde, commençons le cours. C'est vrai qu'on est dans la région d'Alola. Tiens, on dirait que j'ai une nouvelle tête, bienvenue. Nous sommes ici dans la zone côtière, le climat tropical qui la caractérise a été reproduit artificiellement. De nombreux Pokémon habitués aux grandes chaleurs vivent dans les environs. Il y a même une espèce qui a atteint une taille bien plus importante que les autres bien plus importante que dans les autres régions grâce à une importante exposition à la lumière. Et oui, ces espèces de Pokémon peuvent avoir une apparence différente selon où ils se trouvent. Ce sont les formes régionales. Et sans plus attendre, passons maintenant aux pratiques. Essayez de capturer un Pokémon sous sa forme d'Alola. Lorsque vous aurez aussi, venez le montrer. Allez-y. Ok, donc pour capturer un Pokémon sous forme d'Alola, la plupart des cours de l'Institut Myrti sont des travaux pratiques. On y apprend mieux en allant sur le terrain. Allez, lance-toi.
Et bon courage pour ce premier exercice. Un Pokémon d'Alola. En soit, techniquement, on en a déjà un. Mais qu'est-ce qu'on a ici comme forme d'Alola? Je ne sais pas. Attends, on connaît? Oui, Plumeline, on connaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme Pokémon d'Alola? Une forme d'Alola. On a déjà le Meowth, mais le Meowth ne compte pas. Oh! Oh! Ramolos! De Paldea. Ok, allez, parti. Magistora sur Ramolos, ça dégage. Attention par contre au Monaplumi. Qui lui pour le coup peut peut-être me paraître un petit peu plus embêtant. Giga Impact. Voilà. Ouais. Par contre on en parle, voilà. Un peu de combat, ça dégage. Ça devrait faire pas mal d'XP par contre. Parfait, tout le monde monte de niveau, tout le monde évolue. C'est parfait, c'est nickel. Zélibron évolue. Stylé. C'est pas la première fois qu'on voit en 3D Zébibron et Zéblitz. J'ai un doute, honnêtement. C'est qu'on les voit dans noir et blanc et je crois que depuis on les a pas vus en 3D. J'ai un doute sur ce que j'ai. Vibranymphe évolue. Ah, Libégon. Et enfin, Araquois évolue. Tarambule. Parfait. Du coup. Tentacool, Picasso et Psytigri. Tentacool. Tentacool. Niveau 30. Et Psytigri et Picasso. Picasso qui a deux évolutions. Ok. On va être pony vite fait tout le monde. Je crois qu'on a un autre combat là. On a un autre. Bon, vous savez quoi, on va le faire. En vrai. Oh! Gros tas de morve d'Alola. Oh, et Topicard d'Alola aussi, j'avais pas vu. Topicard, ça dégage.
noix de coco. Oh, notre coco. Oh, notre coco d'Alola. Voilà. Quand même, tout ça, c'est que des Pokémon qu'on pourra capturer. J'ai vu qu'on va tomber les formes d'Alola. Je savais pas lesquelles. Picasso, ok. Oh, bah voilà la forme d'Alola. La morphe d'Alola. Parfait. Poison ténèbres. Oh, c'est hyper. On connaît déjà. Oh, t'as de morve. Oh, il y a notre coco. Notre coco d'Alola. Attendez. Vraie question. On va voir et puis si on peut le capturer, on le capture, sinon on fera évoluer notre neuf. Allez, ouais, ok, on va essayer de lui descendre un coup de morsure. Et je pense pas qu'on puisse en faire une troisième. Ça dépend de la vie qu'il va récupérer en fait. Une paire. La capture, parfait. Pikachu évolue. Voilà, ça nous évitera d'avoir une à acheter une pierre plante. Même si bon, on aurait pu, mais bon. Disons tout ce qui est à par niveau, je vais les faire, mais ceux qui sont avec des objets, si on peut éviter, on va pas s'en priver. Tac. Bon, et puis après on va retourner de notre quête. Dehors. Oula. Ok.
Ça dégage. Non, ça va, il était pas sûr. Rafflesia. Un seul Rafflesia. Ça dégage. Et hop, j'ai plus qu'un évolu. Alors, Tentacool évolue en Tentacool. Ok. Piclérion évolue en bas du camp. Parfait. Et petit tigre évolue. Tirer. Ok. Tac. Bon, on continue à faire évoluer les gens en même temps. Bon, on a que Tan Mort en fait à prendre. À l'heure actuelle, on a que Tan Mort. Ah, c'est pareil, cool, ok. C'est pas écoute, quel est ce Pokémon? Mangriffe on connaît. Lame solaire, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Salut Castor. Du coup, elle est où la quête? Elle est là. Hop, bon, on va y retourner. On va y retourner. T'as qu'on va essayer de soigner tout le monde. Pam 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 pam. Bonjour. Alors tu as réussi à capturer un Pokémon sous la forme d'Alola, oui. Oh, c'est un Tan Mort sous la forme d'Alola. Tu l'as, tu n'as aucun doute. Ah non, et puis Miaou, c'était Miaou de Galar, pardon. Les Tan Mort ont été introduits pour régler le problème des ordures à Alola. Personne ne sait pourquoi, mais ils sont soudainement pris cette apparence. Hein? Tu as déjà capturé un Pokémon sous la forme d'Alola? Tes talents ne se limitent donc pas au combat. Ils s'étendent aussi à la capture de Pokémon. Les enseignants de l'Académie Raisin doivent être d'un très haut niveau. Très bien. Poursuivons si vous le voulez bien. L'heure de la fin du cours a sonné. Si vous n'avez pas encore attrapé de Pokémon, vous devez terminer cet exercice pour le prochain cours. Encore du travail en plus, le seum.
Alors, qu'as-tu pensé de ton premier cours à l'Institut Myrtipar? Vraiment? Les cours de ton académie doivent être bien difficiles alors. Oh! Il est déjà l'heure d'aller à mon club. C'est la fin de cette visite guidée, mais avant que nous nous séparions, il me reste un dernier sujet à aborder. Il s'agit des activités extra-curriculaires de l'Institut Myrtille, ou Activité Myrtille. Ce sont des sortes de missions assignées par l'Institut lorsqu'on explore le Terradome. Il en existe une multitude. On peut te demander de capturer un certain Pokémon ou de livrer un combat auto, par exemple. Il est impossible de prédire où se déroulera une activité immersive ou quelle en sera la teneur. C'est une surprise à chaque fois. À mesure que tu participes à ces activités, tu recevras des points immersifs ou PM. Tu pourras utiliser ces PM pour faire des achats à la cafétéria, dans la boutique de l'école ou encore dans les clubs quand tu en rejoindras un. Bref, participe à plein d'activités Myrtille pour accumuler des PM. Ok alors, les activités Myrtille ont été mises en place. En terminant les activités, ok, appuie sur le bouton pour consulter les activités disponibles, ok. Un maximum de 3 activités. Ok, on peut prendre 3 activités à la fois. Ok. Et voilà, tu sais tout. Je suis désolé de devoir te quitter avec autant de précipitation. En tout cas, je te dis à bientôt. Profite bien de tes premiers jours parmi nous. Ok. Du coup, voyons voir ce qu'on a à nous proposer comme Miss Motiring. Alors, par là, c'est moi, Roseille. Ah, Roseille, du coup, qu'on avait vu dans le premier DLC. Alors comme ça, tu participes à un échange scolaire à l'Institut Myrtille, oui. Je le savais. L'un de mes profs m'a tout dit. Si on m'avait dit que ça arriverait un jour. Bref. Qu'est-ce qu'on attend pour se voir? Ah oui. Il faut en prendre rendez-vous, je sais. C'est sous le terre à dôme là. Retrouvons-nous au poste central. C'est en plein milieu du dôme, tu ne peux pas le manquer. Mais fais gaffe. Tu sais ce qui se passe quand on me fait poireauter, pas vrai? Oh, tu vas te calmer. Alors, capture un Pokémon, ça on va prendre. Ah non, attendez, comment ça marche? Battez 10 Pokémon en combat auto, ça devrait pouvoir se faire facilement. Si je fais ça... Non, ça c'est pas du combat auto. Comment est-ce qu'on fait le combat auto? Je sais même plus. Bon, on va t'éclater. Mais comment est-ce qu'on fait le combat auto? Je sais même plus. Si, pourtant c'est comme ça. Alors, bah attendez. Voilà. Et donc du coup là ça augmente, ça augmente. On est en train de défoncer tout le monde. C'est 9. Ah, ok, parfait. Ok. Ok, donc là on en avant. Ok. Ok, donc en fait ça switch tout seul, ok. Capture un Pokémon, prendre une photo d'un Pokémon qui nage. Surprendre un Pokémon en lui lançant une Pokéball par derrière. Ok. Ok, donc ça c'est
petite quête, enfin... Oui, si c'est des quêtes spéciales, entre guillemets. Enfin, c'est des quêtes qu'on peut appliquer quand on veut, quoi. Ok. Bon, on va partir, on va pas s'envoler. Voler, par contre, ok. On va pas s'envoler, vu que... On est toujours à la recherche des Pokémon. On reste à la recherche des Pokémon, donc on va éviter de voler. Ok, donc tout ça on connaît, ça on connaît. Patrouille on connaît. Patrouille on connaît, bien évidemment. Prendre une photo d'un Pokémon qui nage. Qui est un Pokémon qui nage? Tac, ça c'est fait. Du coup, battre 10 Pokémon en combat auto. Je crois que c'est pas comme ça en fait qu'on fait les combats auto. Chaque fois que je fais comme ça, mais je crois que c'est pas comme ça en fait. Super. J'appuie sur le... Pas sur ZR, mais sur R. Et oui, à chaque fois, je regarde la manette pour savoir où est L et R. Car je sais, mais je suis pas... À chaque fois, je suis pas sûr. Juste un type d'info. Quoi toi? Voilà. Ah mais c'est bon. Quoi derrière? C'est quoi le Pokémon derrière là? Bon, vous, je m'en fous, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mettez-nous! Super. C'est la bonne attaque qui m'affecte pas en plus. Salut toi. Et moi je vais juste te capturer. Oh, ou pas. Hippotrempe. Hippotrempe. Ah. C'est pour roi ou il faut séant? Non, c'est pour roi celui-là, donc on s'en fout. Il pour roi, je m'en fous. Je vois une potion, par contre, je vais le faire. Je vais le capturer.
Tac. Qu'est-ce qu'on a comme objectif du coup? Ramasser 10 objets. Pas du tout ce que je voulais. Excuse-moi, petit caméra. Attendez, par contre, on est d'accord pour dire que j'ai pas du tout, je l'ai pas du tout mis dans l'équipe. Oui, voilà. Oula, ok, pas. Oh. Pareil, cool. Tac, ça dégage. Ah, oh, et tu saoules. J'avais fait un truc, mais on est d'accord pour dire que ça compte. Ça compte. Ouah. Bon, lui, une explosion, donc j'ai pas le droit de le capturer direct. Damoclès. C'est que je peux pas me permettre de le blesser parce qu'on sait jamais s'il fait explosion ou quoi. Après j'ai pas l'impression qu'il explosion. Allez. Tente de blesser un petit peu. Elle est niveau 67 quand même. Ça gaffe, j'étais très mal du coup. Ok. Allez. On a bien fait. Il a fait mal le météno mine de rien. Il était bien boosté, faut dire. Noyau vert. Météno, attendez, ça pas d'évolution ça. Non.
Non, du coup, ça ne sert à rien, j'en ai pas. Ok. On a le droit des récompenses de l'Institut Myrtille. Salut toi, tu veux quoi? Alors, tu m'as ou quoi? Ok, c'est pas totalement cool. Quand ta magie fleurette sur lui, ça fait des dégâts ou pas? Ça fait des dégâts. Ok. Ok, les deux là c'est fait. Ok, on l'a... Et on l'a totalement battu. Bonjour. Wow. Ok, elle est là. Battre. Pourquoi t'as rien de se valider que maintenant? Ok. Bon, attendez, on va lui parler juste après. Quand on récupère tout ça. Pam 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 pam. Bon, et à mon avis, on va se battre contre Roseille. Qu'est-ce que vous vendez là déjà? Ouais. Tout la même chose. Ouais. Salut. Oui, voilà. C'est pas vraiment facile. J'ai compati. Roseille, tu as de la visite. Ah. Je suis trop contente de te revoir. Je t'ai manqué donc, pas vrai? Genre, ne me dis pas que tu as oublié à quel point ma présence illumine tes journées. Il est temps pour moi de partir. Ce fait un plaisir, Roseille. Au revoir. Ah oui, à plus tard. J'ai soupiré ma classe. Elle est trop marrante, je l'adore. Sinon... Ça me fait vraiment bizarre de te voir ici. T'as pas changé en tout cas. De mon côté, j'ai pas mal voyagé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai accompagné Madame Bria un peu partout pour l'aider dans ses recherches et tout. Du coup, mes Pokémon sont devenus bien plus forts que la dernière fois qu'on s'est battu. Tu veux la preuve, n'est-ce pas? Ça tombe bien. Le terrain de combat est juste ici. Allez, prends place. Ouais, bah on va t'éclater. Combat double en plus. Sûrement. Cette fois, on passe sur un combat duo. J'espère que t'es prêt à te faire doublement ratatiner. On en reparlera à la fin.
Grey Knight Bazookan. Ok. Bienvenue sur le Terradome. Je vais gentiment te faire déguster la poussière. On en reparlera. Intimidation. Ok, magie chorale. Raina, ça dégage. Ok, famille, à toi. Beckham. Ça pouvait faire très mal. Bagaïde. On voyait pas le mal. Bazookan, tu dégages. Incroyable. C'est la cristallisation, tu vois, mais t'es... Kretelski. C'est incroyable. Pas de tout quoi. Il va se faire éclater. Oui, il va se faire éclater. Champion voyant. Oui, il va prendre cher. Allez, barre-toi. Le baguette de la nuit m'embête un petit peu plus. Attends, je fais n'importe quoi. Oh, si, vas-y. Quand t'as quoi de type, ça dégage. Parfait. Ah, il voit trop pas du mal à monter niveau. Ah si, ah bah il est monté niveau 10. Ok, j'avais pas vu. Hypocéan. À quoi ça sert que je devienne plus fort? C'est temps. Profite pour en dépasser en scred. Ah, t'es vraiment aussi impitoyable en combat. T'as vraiment pas changé. Au fait, t'as croisé 4 depuis ton arrivée? En fait, non. Peut-être qu'il vaut mieux pas que tu le saches. T'avais un truc à faire, hein? Et tu n'en es même pas capable, cette voix. Attends, c'est pas...
C'est pas casse. Quoi? Mais il est devenu dark. C'est bien cassé. Heureusement qu'ils nous ont pas vus. Il va t'entendre. Je t'avais dit d'entraîner une équipe de 5 Pokémon pour aujourd'hui. J'ai bafouillé, peut-être? Non, pardon. J'ai eu beaucoup de soucis perso ce mois-ci. Et je n'ai pas trouvé le temps. Ah, ok. Dans ce cas, libre à toi de rester un looter toute ta vie. Tu vas te calmer, toi? Oh, tu me saoules déjà! Non, mais c'est pas ça. Puisque t'as visiblement pas une seule minute à toi, je vais te faire une peur. Je vais remplir ton formulaire de club pour toi. Si tu es incapable de prendre ça sérieusement, dégage de mon club. Alors, je suis vraiment désolé, Cassie. Pardonne-moi, je t'en supplie. Quel enfoiré! Ça te surprend, hein? Cassie a changé. Et je ne parle pas que de sa coupe de cheveux. Son attitude n'est plus la même. C'est comme si... Il est comme ça depuis la fin de ton voyage scolaire. Ce n'est pas beau à voir, hein? Moi, ça me dégoûte. Yo, je t'ai jamais vu, toi. T'es nouveau? Eh ben alors, Roseille, tu me le présentes pas? Tu me le présentes pas, ton copain? Ah, mais en fait, je sais. Tu es le type chelou dont tout le monde parle. Oh non, pitié, mêle-toi de tes affaires. Oh, c'est pas très sympa, ça. Tu pourrais au moins me présenter avant de t'énerver. Lui, c'est... Lirdo. Il est insupportable, il me file les boutons. Accessoirement, c'est aussi lui le dresseur le plus fort de l'Institut Myrtille. Enfin, c'était. Merci pour cette présentation, on sent que ça vient du cœur. Et lui, c'est pas... Il est ici en échange scolaire, c'est aussi un bon ami à moi. Ah ouais? T'es le pote de Cassie? Vous êtes vraiment amis, hein? Je me bourre pas. Oh, ça c'est intéressant. Dans ce cas, amuse-toi. On va te montrer notre salle de club. D'où c'est toi qui t'en charge? Dis-moi, tu ne fais pas encore partie d'un club? Si. Franchement, tu t'intégrerais mieux ici si tu t'inscris quelque part. Nous, on kiffe les originaux comme toi. De toute façon, je t'ai vu en prems. Allez, viens. Non, mais... T'as vu comment il se prend pour le patron? Tu peux même pas... je peux tellement pas blairer les gars comme lui. Bon, je vais t'accompagner. Bon. Cassie, franchement... Vous ne pouvez pas croire, c'est qu'il va me saouler comme gars. Quoique, je te dis, on va le croiser, on va le rétamer, et puis ça va peut-être le calmer. Tada, on y est. Hey, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si jamais il le voit, qui ça? Cassie? Relax. Il va pas revenir ici, Tito. Si tu le dis, ok, ils font tous partie du même club, ok. Donc moi, à la limite, voilà, moi, je vais dans le club de Cassie et Roseille. C'est le coco et le bon. Voici notre domaine. La salle du club de la Ligue. Au nom de tout le monde, je te souhaite la bienvenue. Hé, je suis content que tu me poses la question. Enfin... À l'Institut, on a un système qui classe les élèves en fonction de leur niveau de combat. Ça s'appelle la Ligue Myrtille.
Et dans notre club, on veut être les meilleurs de la ligue. Du coup, on s'entraîne ensemble. Mais en vrai, c'est surtout une excuse pour se faire plaisir. Parce qu'ici, on s'en fiche de qui gagne, qui perd. Les impôts sont là. Mais il y avait peut-être un meilleur moyen de formuler, non? Ouais, peut-être bien. Enfin, je dis tout ça, mais c'est plus vraiment la même vibe en ce moment. Moi aussi, je fais partie du club, même si je ne viens pas souvent ici. Sinon, ah oui, les 4 meilleurs membres de la Ligue Myrti forment ce qu'on appelle le Conseil 4. Donc on va devoir les affronter à la fin, vous allez voir. Et puis figure-toi que la tête de Dentifrice ici présent en fait partie. Avec la fille qui était avec moi. On le donne tout à l'heure, ok. Ok, donc les deux, on en a déjà deux du Conseil 4. Je me moque de ma coupe, mais en vraiment, moi, au moins, je fais partie du Conseil, Roro. C'est parce que j'ai pas eu le temps de participer au combat de la Ligue. J'ai trop de choses à faire en dehors des cours. De toute façon, tout le monde sait déjà que je dépasse largement le niveau du Conseil 4. J'avoue, c'est pas faux. Alors, pas. Il a l'air trop cool, le club, pas vrai? Ah, je suis content que ça te plaise. Bon. Bah voilà, t'es membre temporaire, du coup. Hein? T'es sérieux, là? Il existe même pas les inscriptions temporaires. Bon, on s'en fiche. On s'en fiche, non? Pas de chichin, toi. Entre poteaux. En vrai, tu peux venir ici et te servir du matos quand tu veux. C'est comme chez toi. Cet ordi, par exemple, il est trop pratique. Il te permet d'utiliser tes PM pour aider les élèves d'autres clubs. Ils viendront te dépanner ou t'apprendre d'être cool. L'ordinateur du club permet d'envoyer des PM aux autres pour les aider. Ceci vous remercions en redécorant la salle de votre club en y ajoutant. Ok. C'est quoi? Tu comprendras en pratiquant. J'ai un peu la peine d'expliquer plus. Oh, j'adore Fontaine. Deux cents. Sympa. Avec ça, tu devrais pouvoir demander à Lancelot du club de baseball de te montrer une nouvelle façon de lancer tes Pokéballs. Donc du coup, faut y aller là. Voilà, nouveau lancer de Pokéball. Pour 150, ok. Merci pour ton part. Ça ne va pas être évident par Modestin s'interposer. Mais essayons de réfléchir à une nouvelle façon de lancer tes Pokéballs. Tu vois, je pensais que ça pourrait être stylé de mettre la main comme ça, et oui. Voilà. Du coup, on pourrait faire comme ça avec les jambes. Ah, j'adore. Eh bien, on s'est bien débrouillé. Notre petite conversion a fait jaillir de belles idées. Tu peux changer de style. Si tu veux changer de style de lancer, appelle-moi. Le style de lancer que vous pouvez choisir à augmenter. Et donc, tu vois, c'est cool. C'est tout simple, t'as vu? Pour être honnête, j'étais pas sûr que t'allais y arriver, même si c'est super facile. En tout cas, bien joué. Ça m'apprendra à te sous-estimer. Et vu que t'as pas tremblé des genoux, prends ça, je suis sûr. J'étais quand même vraiment sympa. Charme et stabilité. Et augmente à de réaliser une capture critique. Parfait. Et puis je t'offre ça aussi. Porte ses sapes. Tenue du club de la Ligue. Ok. On veut bien se faire des cadeaux entre potes. En tout cas, certains de leur dit quand tu veux, il est en libre service. Et c'est un petit creux, aujourd'hui, on a plein de friandises. Vas-y, c'est gratuit. Tout est déjà à moitié mangé. Arrête d'essayer de lui refourquer tout le reste. Ne touche pas. Si ça se trouve,
Ça fait des semaines que ces paquets traînent ici. Toutes les explications, ça m'a donné faim. Je vais faire un tour du côté de la capette, moi. Si le club te plaît, et que tu veux en faire partie officiellement, rejoins-moi là-bas. Rien de tel qu'un date pour en discuter. Tu vois ce que je veux dire? Quoi? Allez, t'as plus? Mais qu'est-ce qu'il lui provoque? Pour qui il se prend sérieux? Un date, c'est quoi ce plan? Non mais... C'est pas ce que je voulais dire. Je sais qu'un date, c'est un rencard. Je suis pas gâteuse non plus. Désolé, j'aime vraiment pas l'ambiance ici. Allons plutôt ailleurs. Et si on allait dans ta chambre, au moins on sera tranquille. Ouais, c'est toi qui veux me pécho en fait, c'est pour ça. C'est pour ça les gens. J'aime pas du tout. Ok, bon. On va aller voir là. Voir si on peut voir ce qu'on peut acheter. Envoyer des PM. Oh. Voulez-vous changer de style? Petite pirouette style ninja. Ça peut être sympa. Merci pour ton nom. Essayons de réfléchir à une nouvelle façon de lancer des Pokéball. Nous serons peut-être convertis en PSG de belles idées. Je peux changer de style, appelle-moi. Ah bah j'aimerais bien changer de style en fait. Qu'est-ce que je vais adopter? Ah voilà. Style pirouette élégant. Idéaliste. Allez pirouette. Waouh. Ok, bon, faut qu'on aille dans notre chambre. On est parti! Wow, c'est donc ta chambre. Et la plupart des élèves de l'Institut Myrti vivent dans les dortoirs. Et du coup, tu la trouves comment? Par rapport à celle de ton académie. Normal, c'est la couleur officielle de l'Institut. Ils sont allés loin vers leur concept de myrtille. Faudrait que tu viennes voir ma chambre aussi une prochaine fois. Ah, ça va encore. Ah oui. J'avais aussi des choses importantes à te dire. C'est au sujet de Lirdo et de Cass. Cass, je crois qu'il... Que ça se passe des commentaires. Tu as vu comment il est devenu. En vérité, c'est ce qui me fait peur. Depuis qu'on est revenu de Septentria, je ne le reconnais plus. On dirait une autre personne. Il enchaîne les combats et s'entraîne jour et nuit. Je suis sûr qu'il dort même plus. Il est devenu vraiment très très fort. Au point de battre Lirdo, alors qu'il était le dresseur le plus fort de tout institut. Maintenant, Cass est le président du club de la Ligue
et aussi le maître de la ligue Myrtille. J'imagine qu'il est bien occupé avec tout ça. Il ne me parle quasiment plus. Enfin, je me dis que c'est sûrement juste sa crise d'ado qui continue, ça passera. Mais je voulais juste te dire, même si Cass a changé, j'espère que tu resteras toujours son ami, d'accord ? Merci. J'aimerais te parler d'autre chose. Franchement, méfie-toi de cette tête de dentifrice. Il se la joue détaché. Mais c'est qu'une façade, c'est sûr. Va savoir ce qu'il a derrière la tête. Je peux vraiment pas l'encadrer. En plus, le gars a redoublé 3 fois. Tellement il vient jamais au cours. Bref, ne lui fais confiance sous aucun prétexte. Crois-moi, c'est pour ton bien. Tu dois aller à ton rencard. Enfin, je veux dire, tu dois aller voir le tâche à la cafétéria. J'irai bien avec toi, mais il faut vraiment que je termine ma dissertation avant ce soir. En vrai, j'adorerais que tu rejoignes le club de la Ligue. Mais si Irdo te fait des misères, n'hésite pas à lui mettre une bonne double baffe. Ça marche. On sera ça la prochaine fois. J'espère en tout cas, franchement, certainement que ce nouveau épisode, les amis, vous l'aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne et la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci vraiment à tous ceux qui le font. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur Pokémon Violet, le DLC 2 du disque Indigo. J'ai un doute. C'est ça, c'est le disque Indigo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Merci à tous. C'était pas. Salut tout le monde. Allez, rendez-vous très bientôt pour l'Institut, pour la suite de notre aventure à l'Institut. Merci. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.